J'ai ramassé beaucoup d'autres versets que j'ai ajoutés. Yo he tirado muchos versículos que he añadido. Alléluia. Mais on va essayer de le partager un peu. Vamos a intentar de dar eso. Si on peut se lever pour la lecture juste de trois versets. Si podemos levantar para la lectura de tres versículos. On va lire deux passages. Vamos leer dos pasos. On va aller dans Matthieu 9 aujourd'hui. Vamos ir en Mateo 9 hoy. Du verset 36 au verset 38. 36 à 38. Content d'avoir mon interprète en espagnol aujourd'hui. Feliz de tener mi traductor en español hoy. Il fait un bon travail. Elle a fait un bon travail. Considérant qu'il est camerounais. Sabiendo que él es camerounés. Et à ma connaissance, on ne parle pas espagnol au Cameroun. En mi conocimiento no se habla español en Camerún. On parle peut-être le français. Tal vez se habla francés. Et on parle peut-être l'anglais. El inglés. Et l'autre langue qui est l'anglais. Et la otra lengua que es inglés. Mais l'espagnol non. Pero el español no. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Agradecemos Dios por eso. Je suis certain que lorsqu'il apprenait l'espagnol, yo tengo la certeza que cuando él aprendía español, il n'avait aucune idée que c'était pour un jour comme celui-ci. Yo no tenía la idea que era para un día como este. Et donc, si tu es en train d'apprendre quelque chose, si vous êtes aprendiendo una cosa, ou Dieu te dit de faire quelque chose, o Dios te dice de hacer una cosa, fais-le seulement. Hazlo solo. Tu ne sais pas quand ça va ressortir. Você no sabe cuándo va a salir. Tu ne sais pas quand ça va servir. Você no sabe cuándo va a servir. Mais si il était paresseux pour s'équiper ce jour-là, si él era perezoso para se equipar aquel día, on n'allait pas être là aujourd'hui. No podíamos estar aquí hoy. Parce que le premier service traduit à l'espagnol. Porque el primer servicio traducido en español. No tenía ningún español en el servicio. No tenía ningún español en el servicio. Deuxième service. Segundo servicio. Oh, on avait personne qui parlait espagnol. No tenía ningún que hablaba español. Mais on l'a fait quand même. Pero lo hemos hecho. Par la foi. Por la fe. Parce que nous avons 150 espagnols qui viennent à notre église. Porque tenemos 150 espagnols qui viennent à notre iglesia. Pour le moment, il y en a seulement 3. Por el momento, solo tiene 3. Ils sont 150. Pero están 150. Les 147 ne viennent pas encore. Los 147. Mais ils sont en route. Pero él está en camino. Et moi je crois que à l'église Saint-Laurent, yo creo que la iglesia Saint-Laurent va avoir un service portugais. Vamos a tener un servicio portugués. Il y a 200 portugais qui viennent à Saint-Laurent. Tenemos 200 portugués que vienen a Saint-Laurent. Et ils sont pas encore là. Pour le moment, il y en a une douzaine. No están todavía, pero por el momento tiene 12. Mais bientôt, les 288 autres vont venir. D'aquí a poco los 288. Je viens de monter cela à 300. Yo he subido eso a 300. Mais j'ai le quand même. Alléluia. Le Seigneur est bon. El Señor es bueno. Matthieu 9. Mateos 9. Verset 36. Versículo 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Y viendo las gentes tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha más, los obreros pocos. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Ora pues al Señor de la mies que envíe obreros en su mies. On va lire aussi également Exode 32. Vamos leer también Exode 32. Verset 30 à 32. Versículo 30 a 32. Et donc, Exode 32 nous dit ceci au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado. Au verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, oguete, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Pardonne maintenant leur péché. Que perdones ahora su pecado. Pause. Pardon. Et il met un trait d'union. Él ponga
uma coisa. Pardonne maintenant leur péché. Que perdoes agora seu pecado. Pause. Uma pausa. Prends le temps de réfléchir. Ele toma o tempo de lembrar. Ele diz quelque chose de très profond. Ele diz uma coisa muito profunda. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, raime agora de tu livro que has escrito. Pardonne maintenant leur péché. Que perdoes agora seu pecado. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, raime agora de tu livro que has escrito. On va prier tous ensemble. Vamos orar juntos. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons de venir encore ensemble devant ton trône et Papa, sentir ta présence parmi nous. Et nous voulons reconnaître d'abord le prix que tu as payé, Seigneur, pour que nous puissions ressentir à nouveau cette présence. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, merci Papa pour le privilège d'être là aujourd'hui. Faisant ainsi, nous reconnaissons une autre chose, c'est que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, pour qui les choses spirituelles sont folies et des fois nous les traînons avec beaucoup de légèreté. Seigneur, nous prions que tu nous aides maintenant, car nous ne pouvons les comprendre de nous-mêmes. Aide-nous, Papa, aide-moi à les apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Père. Alléluia, les recevoir dans nos cœurs et que ces choses puissent trouver une place où elles vont germer et produire le fruit. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pourrons-nous battre nos mains pour le nom d'avoir pas à voir à Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez sentir. 2016 a passado. Et nous sommes maintenant en 2017. Estamos agora em 2017. Et nous pouvons regarder en arrière. Podemos mirar de trás. Et être content de ce que Dieu a fait parmi nous. Y ser feliz de lo que Dios ha hecho entre nosotros. À l'église Saint-Laurent où nous tenons les statistiques depuis un bout. La iglesia Saint-Laurent donde tenemos los estadísticos desde siempre. Nous avons eu une dixième année de croissance consécutive. Hemos tenido diez años de crecimiento. Nous avons eu, je pense, nous avons passé la cap de 2 ans durant laquelle nous n'avons pas eu un seul dimanche sans visiteurs à l'église. Hemos pasado 2 años según el cual no hemos tenido un visitor que no ha venido a la iglesia. Ça fait à plus de 100 semaines. Hace más de 100 semanas. Où à chaque dimanche, donde a cada domingo, il y a quelqu'un qui est là pour la première fois à l'église. Hay una persona que está para la primera vez en la iglesia. C'est très bon. Es mucho bueno. Et nous avions essayé de passer la cap de 500 première fois visiteurs à l'église de Saint-Laurent. Hemos intentado de tener 500 personas a la iglesia de Saint-Laurent. Nous avons manqué cette marque de 2 seulement. Hemos faltado esa marca de 2 solo. Nous avons eu 488 personnes qui ont visité l'église pour la première fois. Hemos tenido 488 personas que han visitado la iglesia para la primera vez. Et de cette visite, nous avons tiré une croissance de 14,65%. Visita hemos tenido un crecimiento de 14,8%. Et nous avons eu 177 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ à Saint-Laurent. Hemos tenido 177 personas bautizadas en el nombre de Jesucristo a la iglesia de Saint-Laurent. Nous avons eu 194 personnes remplies du Saint-Esprit à Saint-Laurent. Hemos tenido 194 personas llenadas del Espíritu Santo a la iglesia de Saint-Laurent. Et nous avons conclu l'année avec une moyenne d'assistance de 422 personnes. 422,32. Hemos concluido el año con la presencia de 422 personas
Saint-Laurent. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un tiers de personnes qui venaient de temps en temps. Non, ici que tenait un tiers de la personne qui venait de temps en temps. Tous ceux qui venaient étaient entiers. Toute la personne qui venait était entière. Et c'est juste les calculs. Est-ce que nous calculons? Alléluia. Maintenant, ici à l'est. Ahora aquí a la iglesia, aquí a la, en esa iglesia. Je peux dire que l'année passée, c'est la première année où nous avons vraiment tenu avec rigueur toutes nos statistiques. Yo puedo decir que es la año pasado que tenemos un rigor con nuestro statistique. Il va nous manquer juste un seul paramètre. Va nous faltar solo uno parametro. Qui est le pourcentage de croissance? Quel est le pourcentage de crecimiento? Parce que les données de l'année passée n'étaient pas complètes pour pouvoir faire le comparatif de croissance. Parce que le dato de l'année passée ne podía permettre de faire la comparaison. Mais nous savons que ici à l'est, nous avons eu 421 personnes qui ont visité cette église pour la première fois. Porque sabemos que aquí tenemos 421 personas que han visitado la iglesia para la primera vez. Regarde ton voisin, dit lui ça fait beaucoup. Mira tu vecino, dice que es mucho. Il n'y a qu'un seul dimanche cette année, l'année passée. Hay solo un domingo el año pasado. Nous n'avons pas eu des invités pour la première fois. Que no hemos tenido invitados para la primera vez. Mais ça a été presque parfait. Pero ha sido perfecto. Et on a eu 113 personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus-Christ à l'église de l'Est. Hemos tenido 113 personas que han sido bautizadas en esa iglesia aquí. Nous avons eu 106 personnes remplies du don du Saint-Esprit ici à l'église de l'Est. Hemos tenido 106 personas llenadas del don del Espíritu Santo aquí en esa iglesia. Et nous avons conclu l'année avec une moyenne d'assistance de 93 personnes ici à l'est. Hemos concluido el año con 93 personas en esa iglesia. Une moyenne de 93 personnes. Una media de 93 personas. C'est beaucoup. Es mucho. C'est beaucoup. Es mucho. Parce que dans quand on fait la moyenne, on a des semaines là-dedans, des semaines de tempête de neige. Cuando hacemos las cosas tenemos semanas de nieve. Où nous avions une quarantaine de personnes dans le service. Que teníamos 40 personas en el servicio. Pour que nous puissions remonter cette moyenne à 93. Para que podamos subir esta a 93. Il y a eu un grand travail qui a été fait. Hubo un gran trabajo que ha sido hecho. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Agradecemos Dios para eso. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Agradecemos Dios, el Señor para eso. Et nous sommes contents qu'il fait ces choses. Estamos felices que él está haciendo estas cosas. Nous avons observé une croissance de maturité spirituelle. Hemos mirando un crecimiento de maturidad espiritual. Dans nos finances, nous avons aussi connu une croissance. En nuestro dinero hemos también conocido un crecimiento. Je pense que pour la première fois, nous avons passé le cap de revenu de 200 000 à l'année. Yo pienso que hemos pasado, ahora tenemos 200 000 al año. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Agradecemos a Dios para eso. Cela veut dire que Dieu est en train de nous bénir aussi financièrement. Es decir que Dios está nos bendice financieramente. Il y a une chose que nous allons faire. Pero hay una cosa que vamos a hacer. C'est que nous allons refuser. No vamos a aceptar. Nous allons refuser. No vamos a aceptar. Nous allons refuser. No vamos a aceptar. D'être satisfait avec ces résultats. De tenir la satisfaction con eso. Je ne sais pas pour vous. Yo no sé para vosotros. Mais je ne suis pas satisfait. Yo no estoy satisfecho. Je refuse d'être satisfait. Yo no estoy satisfecho. Parce que la satisfaction. Porque la satisfacción. Est le début de l'oisivité. Es el principio de la ociosidad. La satisfaction. La satisfacción. Est le début de l'arrêt de la progression. Est le principe de parade de la progression. Je vais vous donner une raison pourquoi je ne suis pas satisfait. Dans ma raison pour que je ne sois satisfait. Parce qu'il y a encore des chaises qui sont vides dans l'église. Porque hay caderas que están vacías en la iglesia. Je vais vous donner une raison pourquoi je ne suis pas satisfait. Dans ma raison pour que je ne sois satisfait. J'ai un oncle qui ne sert pas encore Dieu. Yo tengo un tío que no sirve a Dios. J'ai une tante qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Yo tengo una tía que no ha dado su vida a Dios. J'ai un voisin qui ne vient pas encore à l'église avec.
avec moi. Il y a encore un monde à l'extérieur qui n'est pas encore dans les plans de Dieu. Et comme Église, nous ne pouvons pas être satisfaits. Nous ne pouvons pas nous permettre un sentiment de satisfaction. Et comme on avance, et comme le temps passe, et comme nous devenons familiers à l'Église, il y a un danger qui nous guette. Qui sont à l'Église depuis moins d'un an ici à l'Église? Moins d'un an. Qui était à l'Église à moins d'un an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alléluia. Maintenant, qui sont là pour 2 ans et plus? Qui est là durant 2 ans et plus? 2 ans et plus. 2 ans et plus. Alléluia. Qui sont là 3 ans et plus? 3 ans et plus. Gardez vos mains à l'air. 4 ans et plus. 4 ans et plus. 5 ans et plus. 5 ans et plus. 6 ans et plus. 6 ans et plus. Vous savez, il y a un temps, merci, il y a un temps où on ne passait même pas le cap de 2 ans. Savez, il y a un temps où nous passions la quantité de 2 ans. Tout le monde avait 2 ans et moins d'âge d'église. Tout le monde tenait 2 ans et moins d'église. Et maintenant, nous sommes une église qui est en train de aussi de croître dans l'âge. Somos una iglesia que está creciendo en la edad. On a des gens qui sont là, ça fait 5 ans. Tenemos personas que están aquí hace 5 años. On a des gens qui sont là, ça fait 6 ans. Tenemos personas que hace 6 años que están en la iglesia. Qui est là, ça fait 7 ans. Qui está aquí hace 7 años. Qui est là, ça fait 8 ans. Qui está aquí hace 8 años. Qui est là, ça fait 9 ans. Qui está aquí hace 9 años. Qui est là, ça fait 10 ans. Qui est là, qui a fait 10 ans. Là, c'est seulement mes enfants. Solo los niños. Frère Yannick, là, ça fait 157 ans. Emmanuel, c'est là, qui a fait 157 ans. Il ne lève plus sa main. Et il donne les bandes pour Manu tout d'abord. Parce qu'il y a de la moisissure qui venait après ça. C'est pour ça qu'il agarre ce Manu. Alléluia. Mais quand on avance en âge, il y a un danger qui nous guette. Nous commençons à devenir plus de religieux. Nous commençons à devenir plus de chrétiens de routine. Nous refusons d'être religieux. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons être des chrétiens nés de nouveau. Chaque jour, je veux être né de nouveau. Vous savez, Jésus n'a jamais dit à la prostituée. Vous savez, Jésus n'a pas dit à la prostituée. Et il n'a pas appelé la prostituée une génération de vipères. Non, il n'a pas dit à la prostituée une race de vipères. Il n'a pas dit au publicain sépulcre blanchi. Non, il dit aux publicains que c'est beaucoup blancos. Mais il a dit cela à ceux qui étaient dans l'église. Il a dit cela à ceux qui étaient religieux. Nous ne voulons pas être religieux. Nous ne voulons pas être isolés du monde. Nous ne voulons pas être coupés du monde. Nous voulons rester constamment. Une main accrochée dans le monde. Una mano en el mundo. Mais une main accrochée à Dieu. Una mano con Dios.
Et mais nous allons toujours nous rappeler ce principe. Vamos siempre nos lembrar de ese principio. La main la plus forte attachée à Dieu. La mano la más fuerte con Dios. Et la main la plus faible attachée au monde. La mano la más fracasa con el mundo. Parce que en étant le maillon qui relie les deux. Siendo una cosa que juntas los dos. Les deux tirent toujours dans deux directions opposées. Las dos llevan en dos direcciones. Et ça peut toujours briser là où c'est plus faible. Puede cortar el lugar que está más fraco. Et si ça doit briser, si va se cortar, ça ne doit pas briser là où je tiens Dieu. No va se cortar donde yo aseguro Dios. Ça doit briser là où je tiens le monde. Va se cortar donde el mundo está. Si je n'arrive pas à tirer le monde dans l'église, si yo no consigo atraer el mundo en la iglesia, il ne faut pas que ce soit moi qui soit tiré dans le monde. No es que el mundo. Je suis là pour rester dans l'église. Estoy aquí para quedar en la iglesia. Mais je ne veux pas être religieux. No quiero ser religioso. Je suis là pour rester dans l'église. Estoy aquí para quedar en la iglesia. Mais je ne veux pas devenir un pharisien. Yo no quiero ser un fariseo. Un observateur de la loi. Un observador de la ley. Sans le cœur. Sin el corazón. Sans compassion. Sin compasión. Vous savez le plus grand danger qui guette l'église. Ustedes saben lo que vaya con la iglesia. C'est que l'église devienne tellement sanctifiée. Es que la iglesia está más santificada. Qu'elle se coupe du monde. Que ella se corta del mundo. Je ne veux pas arriver dans l'église. Yo no quiero llegar a la iglesia. Arriver à une place. Llegar a un lugar. Où je ne vois pas un peu de mondanité dans l'église. Oui, on veut un poquito de mondanidad en la iglesia. Si tous ceux qui viennent à l'église sont sanctifiés. Si todas las personas que vienen a la iglesia son santificadas. Nous avons perdu notre raison d'être. Hemos perdido nuestra razón de ser. Nous, je veux voir toutes les étapes dans l'église. Yo quiero ver todas las etapas en la iglesia. Vous savez, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Usted sabe, la Biblia dice que estamos la sabor de la tierra. La sal de la tierra. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Estamos la sal de la tierra. Vous savez, la mer morte. Usted sabe la madre muerta. Connaissez-vous la mer morte? Vous connaissez la. Elle a un problème, la mer morte. Elle tient un problème, la madre muerta. Elle reçoit toujours l'eau. Elle a siempre recibe agua. Mais l'eau ne sort pas, il n'y a pas de sortie. Pero agua no salga, no hay salida. Il n'y a que l'évaporation qui enlève l'eau de la mer morte. Hay solo la evaporación que quita agua del mar muerto. Mais comme l'eau s'évapore, cuando agua se evapora, le sel reste. La sal queda. Et comme le sel reste, et quand la sal queda, le taux de sel monte dans la mer. Et parce qu'il y a trop de sel dans cette mer, porque tiene mucho sal en ese mar, il n'y a plus de vie dans cette mer. No tiene más vida en ese mar. À cause de la quantité de sel, a causa de la cantidad de sal, à cause du taux de sel élevé dans cette mer, a causa de la cantidad de sal que está en el mar. Écoutez, nous sommes le sel de la terre. Escuche, estamos el sal de la tierra. Si tout ce que nous avons c'est seulement le sel, si lo que tenemos es solo el sal, il n'y aura plus de vie parmi nous. No va a tener más vida entre nosotros. Nous voulons être le sel de la terre. Queremos ser la sal de la tierra. Et nous voulons qu'il y ait autre chose que seulement le sel. Queremos que tenga otra cosa que solo el sal. Nous voulons qu'il y ait encore plus d'eau que de sel. Queremos que tiene más agua que sal. Nous voulons qu'il y ait encore plus d'eau que de sel. Queremos que tenemos más agua que sal. Vous savez, quand tu regardes le livre d'Apocalypse, cuando usted mira el libro de Apocalipsis, la Biblia nous dit que la bête régnait sur des grandes eaux. La Biblia nos dice que la bestia estaba en las aguas. Et le livre d'Apocalypse continue en disant ceci. El libro de Apocalipsis continúa diciendo que ces eaux, que esas aguas, c'est tous les différents peuples de la terre. Son todos los diferentes pueblos nous de la tierra. Nous voulons être le sel. Queremos ser la sal. Mais nous voulons aussi beaucoup d'eau. Queremos también muchas aguas. Nous voulons aussi beaucoup d'eau. Queremos también muchas aguas. Nous ne pouvons pas faire un repas. Nous podemos hacer una comida avec seulement le sel. Solo con la sal. Le sel ajoute la saveur. La sal añade la sabor. Le sel rehausse la saveur. La sal añade la sabor. Mais le sel à lui tout seul. La sal a él solo. N'est pas mangeable. No se puede comer. Nous ne voulons pas être juste des pharisiens dans cette église. No queremos ser solo fariseos en esta iglesia. Nous devons avoir toujours un courant de gens qui viennent
continuellement à l'église. Tenemos que tener personas que vienen siempre en la iglesia. Nous ne voulons pas être une église isolée. No queremos ser una iglesia isolada. Et la seule chose qui va nous tomber dans nous faire tomber dans l'isolation. La sola cosa que va nos permitir de caer en el isolamiento. Ça c'est un danger qui guette toute église qui a un peu de d'âge. Es una cosa peligrosa que está con una iglesia que tiene un poquito de edad. C'est la perte de la compassion. Es la pérdida de la compasión. Tout le monde dit compassion. Todo el mundo dice compasión. Que tout le monde dise compassion. Que todo el mundo dice compasión. Nous pouvons venir tellement souvent à l'église. Podemos venir siempre a la iglesia. Devenir tellement sanctifié. Ser santificado. Et être tellement proche de Dieu. Cerca de Dios. Être tellement les faiseurs de la parole. C'est la chose qui a la parole. Arriver à une place où nous commençons à mal regarder le monde. Llegar a un lugar que comenzamos a mal mirar el mundo. Arriver à une place où nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Llegar a un lugar que olvidamos donde Dios nos ha traído. Arriver à une place où nous oublions qu'une fois nous étions pécheurs. Llegar a un lugar que olvidamos que un día éramos pecados. Des fois, ça nous arrive d'entendre quelqu'un parler de la parole de Dieu. De vez en cuando llega que entendemos una persona hablar de la palabra de Dios. Mais de parler de cela avec tellement d'orgueil. Hablar de eso con orgullo. Parce que nous l'avons. Porque tenemos. Là n'était pas l'attitude de Christ. No era la actitud de Jesús. Jésus, dans le passage que nous avons lu ici, dans Matthieu 9, verset 36, nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Nos dice que viendo la gente tuvo compasión de ellas. Nous devons avoir la compassion. Tenemos que tener la compasión. Si nous n'avons pas de compassion, si no tenemos la compasión, nous devons prier pour que Dieu nous donne la compassion. Tenemos que orar para que Dios nos da la compasión. Nous ne pouvons pas arriver à une place de satisfaction. No podemos llegar a un lugar de satisfacción. Où nous perdons notre compassion pour ce monde. Donde perdemos nuestra compasión para este mundo. La seule raison pourquoi nous sommes encore ici sur terre. La única razón por la cual estamos aquí en la tierra. Que nous puissions montrer cette compassion à quelqu'un d'autre. Es para que podamos mostrar esta compasión a una otra persona. Et ce mot compassion revient 18 fois dans le Nouveau Testament. Esa palabra compasión viene 18 en dans le Nouveau Testament. En el Nuevo Testamento. Dans Matthieu 14:14, il nous dit quand il sortit de la barque. En Matthieu 14:14, il nous dit quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Y salió de Jesús vio un gran genio y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos habían enfermos. Et si nous n'avons pas la compassion, si no tenemos la compasión, nous n'allons pas voir le pouvoir de Dieu. No vamos ver el poder de Dios. Dieu ne guérit pas les malades parce que il veut démontrer sa puissance. Dios no cura los enfermos porque él quiere demostrar su potencia. Dieu guérit les malades parce qu'il y a la compassion. Dios cura los enfermos porque tiene la compasión. Et très souvent nous prions pour les gens. De vez en cuando oramos para las personas. Et nous manquons de voir la guérison que Dieu voulait performer. Y faltamos de ver la guérison que Dios quería dar. Parce que nous n'avons pas prié par compassion. Porque no hemos orado por compasión. Et nous avons plutôt prié par orgueil. Pero hemos orado por orgullo. Pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Para poder experimentar la potencia de Dios. Qu'on puisse dire que nous avons quelque chose en nous. Que podemos decir que tenemos una cosa en nosotros. Mais si nous y allons juste par compassion. Si vamos solo para compasión. Nous allons voir des gens guéris avant même que nous imposons les mains. Vamos ver la persona ser curado antes de que ponemos las manos. Nous allons voir des gens transformés pendant que nous sommes juste en train de leur partager simple histoire de la Bible. Vamos ver la persona transformada cuando le estamos le dando siempre las cosas de la Biblia. Nous devons avoir la compassion. Debemos tener la compasión. Sans la compassion, nous ne pouvons rien accomplir. Sin la compasión no podemos hacer nada. Et nous ne voulons pas arriver à cette place. No queremos llegar a este lugar. Où le Seigneur nous appelle race de vipère. Es où el Señor nos llama raza de vipera. Où il nous appelle sepulcre blanchi. Donde nos llama sepulcro blanco. Où nous avons tout de l'extérieur. O que tenemos todo de exterior. Et alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas bon du tout.
Mientras que el interior no es bueno. Nous devons toujours retourner à cette place. Tenemos que siempre volver en ese lugar. Où Dieu nous a sauvés pour la première fois. Oh, Dios nos salvó para la primera nous vez. Devons toujours renouveler notre relation. Tenemos que renovar nuestra relación. À la place où Dieu a eu compassion de nous pour la première fois. Al lugar donde Dios tuvo compasión de nosotros para la primera vez. Nous allons également avoir compassion pour les autres. Vamos también a tener compasión para los otros. Regardez dans Matthieu 15, 32. Mira en Mateo 15, 32. Encore une fois. Una vez de nuevo. Jésus ayant appelé ses disciples, dit. Y Jesús llamada a sus discípulos dijo. Je suis ému de compassion pour cette foule. Tengo lástima de la gente. Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Que hace tres días que esperan conmigo y no tienen que comer. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces leur manquent en chemin. Y enviar ayunos no quiero porque no desmayen en el camino. Regardez Matthieu chapitre 20. Mira Mateo 20. Verset 34. Versículo 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Entonces Jesús teniendo misericordia de ellos les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y les siguieron. Et regardez Matthieu 1:41. Mira Mateo 1:41. Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha et dit je le veux, sois pur. Marc 1:41. Marcos 1:41. Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha et dit je le veux, sois pur. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió su mano y le tocó y le dice quiero ser limpio. Lucas 7:13. Le Seigneur l'ayant vu fit ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. Y como el Señor lo vio compadecióse de ella y le dice no llores. Le lien commun avec tous ces passages que nous avons lus. Lo que tiene en común con todos estos pasos que hemos leído. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu manifestation de compassion. Porque a cada vez que ha sido manifestación de compasión. Il y a eu accompagnement de miracles. Tuvo que los miracles seguían. Il y a eu accompagnement de miracles. Los miracles seguían. Et moi je crois ceci. Yo creo eso. Que Dieu veut nous amener à une place. Que Dios quiere nos llevar a un lugar. Oui, il va commencer à nous démontrer sa puissance et sa grandeur. Donc il va commencer à nous démontrer son potentiel et son grandeur. Pour que nous puissions voir cela. Para que podamos ver eso. Pour que nous puissions vivre cela. Para que podamos vivir eso. Nous devons être remplis de compassion. Debemos ser llenados de compasión. Nous devons d'abord aimer et pleurer ces gens, pour ces gens que Dieu veut toucher. Tenemos que amar y llorar para esas personas que Dios quiere tocar. La compassion, c'est cette capacité. La compassion est sa capacité. De ressentir la douleur pour quelqu'un d'autre qui souffre. De sentir la douleur d'une autre personne qui souffre. De ressentir. Je sais qu'on aime plus ces mots. Yo sé que no amamos más esa palabra. De ressentir la pitié pour quelqu'un qui est dans des problèmes. De sentir une personne qui a des problèmes. Il y en a qui disent non, n'aie pas pitié de moi. Elle se sent que dice no le hace misericordia. Je ne veux pas de pitié. Yo no quiero tener misericordia. Laisse-moi te dire, moi je veux de la pitié. Yo quiero tener misericordia. Aie pitié de moi, ça ne me dérange pas. Habiendo misericordia en mí no me molesta. En fait, ça me fait plaisir quand tu as pitié de moi. Me hace placer que tiene misericordia de mí. Ça démontre tout simplement que tu as de la compassion pour moi. Porque demuestra que usted tiene la compasión para mí. La pitié n'est pas un mauvais sentiment. La misericordia, tener misericordia no es un mal sentimiento. Ce n'est pas voir quelqu'un comme inférieur. No es ver una persona como inferior. C'est juste sentir ce que l'autre est en train de ressentir comme douleur ou comme problème. Es solo sentir lo que una persona está teniendo problemas. Ça ne me dérange pas si tu as pitié de moi. No me molesta si vous tenez misericordia de mí. Ça ne me dérange pas du tout. No me molesta si vous tenez misericordia de mí. Et des fois, j'aimerais que tu aies pitié de moi. De vez en cuando, yo quiero que tu tenez misericordia de mí. J'aimerais que tu aies pitié de moi. Yo quiero que tu tenez piedad de mí. Alléluia.
on peut voir que avant chaque manifestation de puissance, podemos ver que antes que la manifestación de potencia, il y a eu d'abord démonstration de compassion. Hubo demostración de compasión. Nous ne voulons pas être des religieux. No queremos ser religiosos. Nous voulons être à l'image de Christ. Queremos ser a la imagen de Cristo. Nous voulons avoir une relation. Queremos tener una relación. Et en 2017, ceci va être clé. Va ser capital. Pour que nous puissions rentrer dans ce que Dieu a en réserve. Para que podamos entrar en que Dios tiene para nosotros. Nous voulons avoir de la compassion. Queremos tener la compasión. Nous voulons avoir de la compassion. Queremos tener la compasión. Des fois, on nous dit, mais pasteur, vous prêchez tout le temps la même chose. De vez en cuando dice el pastor, cada día usted dice la misma cosa. Vous prêchez toujours l'évangile. Usted siempre predica el evangelio. Oui, je prêche toujours l'évangile. Sí, yo predico siempre el evangelio. Et je suis toujours appelé à prêcher l'évangile. Yo tengo que predicar siempre evangelio. Et aujourd'hui, avant la fin, je veux prêcher encore l'évangile. Hoy, antes del final, yo predicar el evangelio. Dans mon prochain message, je prêcherai encore l'évangile. Et mi mensaje próximo, vos predicar l'évangile. J'ai compassion de ce monde. Porque yo tengo la compasión de ce monde. Parce que je ne suis pas indifférent de voir les gens qui ne vont pas au ciel, mais plutôt qui vont en enfer. Yo quiero ver a la gente que va al cielo y no a infierno. La prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile. Et la démonstration de la compassion pour les hommes. Est la démonstration de la compassion para las almas. Sans l'évangile. Sin el evangelio. Nous sommes en route vers l'enfer. Estamos caminando para el infierno. Sans l'évangile, nous sommes perdus. Sin el evangelio estamos perdidos. Sans l'évangile, nous ne sommes pas sauvés. Sin el evangelio no estamos salvos. Moïse, il est dit de Moïse que c'était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Elle disait de Moïse qu'il era el hombre el más humble en la tierra. Pour longtemps, je me suis questionné à ce sujet. Para siempre yo he planteado preguntas. Comment, qu'est-ce qui fait que Moïse soit la personne la plus humble sur la face? ¿Qué hace que Moïse sea la persona la más humble en la tierra? C'est quand même une déclaration assez lourde. Es una declaración fuerte. Parce que l'humilité, c'est quelque chose. Porque la humildad es una cosa. C'est la chose la plus subtile. Es la cosa la más sutil. Lorsque tu penses que tu l'as saisi. Cuando usted piensa que usted tiene. C'est alors qu'elle s'échappe. Es cuando ella se va. L'humilité, c'est très subtil. La humildad es mucho sutil. Quand tu penses que tu l'as. Cuando usted piensa que usted lo tiene. C'est alors que tu ne l'as pas. Es así que usted no tiene. Je suis tellement humble que je suis humble. Yo soy siempre humble que yo estoy humble. Y en a qui sont tellement humbles d'être humbles. Hay personas que están humbles de ser humbles. Je suis humble. Quand tu dis que je suis humble. Cuando vos dices que yo estoy humble. Là tu ne l'es plus. Vos no estás de nuevo. C'est très subtil. Es mucho sutil. C'est très subtil. Es mucho sutil. Très très subtil. Mucho mucho sutil. En fait, si tu l'as, tu ne sais pas que tu l'as. Si vous le tiene, vous no sabe que vous le tiene. Mais si tu sais que tu l'as, c'est que tu ne l'as pas. Si vous savez que vous le tiene, vous no le tiene. Mais qui est humble ici? Qui est humble à qui? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais Moïse, la Bible lui donne ce témoignage. La Bible lui donne ce témoignage. Qu'il était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Qu'il était l'homme le plus humble en la terre. Maintenant, je ne sais pas si on peut voir une autre place où c'est aussi évident. Je ne sais pas si nous pouvons voir un lieu qui est. Il y a des places où on peut le voir. À lugar que podemos ver. Comme sa sœur et son frère parlent contre lui. Como su hermano y su hermana habla contra él. Mais c'est lui qui prie après pour eux pour qu'ils soient guéris. Pero es él que ora para ellos para que estén curados. Il faut être humble pour faire cela. Tiene que ser humble para hacer eso. Certains d'entre vous ne vous parlez même plus parce que. Sœur a dit ceci, sœur a dit cela. Algunos de vosotros no se hablan porque esa, la hermana ha dicho eso, la otra hermana ha dicho eso. Vous ne vous parlez même plus, oubliez, priez pour l'autre. Vosotros no se habla más, olvidad de orar para otro. Oh, aide-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor.
Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Tenemos que quitar todas esas cosas. Mais regardez Exode 32. Pero mira Exodus 32. Exode 32 que nous avons lu en début du service. Que hemos leído al principio del servicio. La Bible nous dit à partir du verset 30. Comenzado al versículo 30. Ça c'est après que Israël ait fait le veau d'or. Es después que Israel ha hecho el veau de oro. Et ils ont fait l'idolâtrie dans le désert. Han hecho idolatría en el desierto. Et Dieu n'était pas content. Dios no estaba feliz. Et le lendemain, au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado más, yo subiré ahora a Jehová, quizá le placerá acerca de vuestro pecado. Ce peuple avait péché contre Dieu. Ese pueblo había pecado contra Dios. Ce peuple était tout le temps rebelle contre Moïse. El pueblo tenía la rebelión contra Moïse. Mais là, il se trouve dans la détresse. Et cuando él no está feliz. Et Moïse se dit encore, je vais encore aller devant Dieu pour vous. Moïse dice que voy delante de Dios para vosotros. Peut-être que je trouverai pardon pour vous. Vous encontrez un pardon para vosotros. Il n'avait même pas de certitude que Dieu allait demander ce pardon. Elle ne tenait pas accorder plutôt ce pardon. Elle ne tenait pas certitude que Dieu devait donner ce pardon. Mais il est allé quand même pour ce peuple. Pero él también él fue por ese pueblo. Ce peuple qui quelques semaines plus tôt voulait le lapider. Que ese pueblo que algunas semanas quería le matar. Il est allé quand même pour demander pardon pour eux. Él fue para pedir perdón para ellos. Ce peuple qui a voulu le rejeter plusieurs fois. Ese pueblo que no lo quería muchas veces. Il est quand même allé pour plaider avec Dieu. Él fue para tener conversación con Dios para ellos. Moïse avait la compasión por ce peuple. Moisés tenía la compasión para ese pueblo. As-tu la compasión por el pueblo de Dios? ¿Tienes la compasión para el pueblo de Dios? As-tu la compasión por les gens autour de toi? ¿Tienes la compasión para la persona que está en lugar de ti? Est-ce que ça va aller jusqu'à ce que quelqu'un te fasse le mal? Va a ir hasta que alguna persona te hace mal. Et là, tu arrêtes de prier pour elle. Y así você para de orar para él. Ou cette compasión va être plus fort que ce que la persona va te faire. O esa compasión va a ser más fuerte de lo que la persona va a hacer. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Vous tenez le pardon de vos pecados. Au verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ah, regrette. Il dit, ah, regrette. Il est fatigué. Elle está cansado. Il est épuisé. Elle está cansado. Il va chercher dans le plus profond de lui-même encore. Elle va buscar en la más profunda de él mismo. Malgré les poignards dans son dos. A pesar de las cosas que están en su espalda. Malgré la main de pierre ramassée pour le lapider. A pesar de las piedras que llevaron para querer matar. Malgré les critiques de sa conduite. A pesar de las críticas de cómo él se conducía. Néanmoins, il va encore devant ce Dieu. Elle fue también de nuevo delante de Dios. Elle dit, ah. Elle dijo, regrette. Ce peuple a commis un grand péché. Pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Ils se sont fait un dieu d'or. Porque se hicieron dioses de oro. Il dit, pardonne maintenant leur péché. Que perdona ahora su pecado. Il plaide encore avec Dieu. Elle está de nuevo con Dios. Pardonne maintenant leur péché. Que perdona ahora su pecado, Señor. Pardonne maintenant leur péché. Que perdona ahora su pecado. Et là, il fait une pause. Ahora él hace una pausa. Et là, il s'arrête. Elle para. Et il est prêt d'aller plus loin. Elle está listo de ir más lejos. Il ne veut pas juste plaider pour ce monde. Elle no solo quiere ser con el mundo. Il ne veut pas juste plaider avec Dieu pour ce peuple. Elle no solo quiere ser con Dios para ese pueblo. Il sait que ce peuple est trop loin pour être sauvé. Elle sabe que ese pueblo es mucho lejos para ser salvo. Il sait que si ça dépendait seulement de ce qu'ils ont fait. Elle sabía que solo si dependía de lo que han hecho. Rien ne va être accompli. Nada va ser acontecido. Il est désireux d'aller plus loin. Elle quiere ir más lejos. Mais il fait une pause. Elle a fait ma pause. Et je prie pour que Dieu fasse une pause dans ta vie aujourd'hui. Et que nous puissions tous aller dans cette autre dimension où Moïse est allé. Que podemos ir donde Moïse est allé.
Il dit pardonne maintenant leur péché. Elle dice que perdone ahora su pecado. Et il fait une pause. Y ella hace una pausa. Elle dit sinon. Elle dice sinon. Elle dit sinon. Elle dice sinon. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Autrement dit, Seigneur. En otra manera, Señor, si tu ne les sauves pas, si usted no les salva, ne me sauve pas non plus. No me salva también. Si tu ne les guéris pas, si usted no les cura, ne me guéris pas non plus. No me cura también. Si tu ne leur donnes pas, si usted no les da, ne me donne pas non plus. No me da también. Seigneur, je me donne comme sacrifice. Señor, yo me doy como sacrificio. Pour ce monde en détresse. Para ese mundo que no tiene dirección. Seigneur, je m'offre en sacrifice. Yo me ofrezco en sacrificio, Señor. Pour ma famille. Para mi familia. Pour mes bien-aimés. Para las personas que están conmigo, pour mes voisins, para los vecinos, pour cette ville, para esta ciudad, pour ce pays dans lequel tu nous as appelés, para ese país donde usted nos llamó. Señor, si tu ne nous sauves pas, Señor, si usted no nos salva, enfin, je veux dire, si tu ne les sauves pas, si usted no los salva, ne me sauve pas non plus, no me salva también, si tu ne leur donnes pas, Seigneur, si usted no les da, Señor, ne me donne pas non plus, no me da también, si tu ne les guéris pas, Seigneur, si usted no les cura, Señor, ne me guéris pas non plus, no me cura también. Dieu nous appelle à aller dans cette dimension. Dios nos llama de ir en esa dimensión. Où nous n'allons pas juste être superficiels. Que no vamos solo a ser superficiales. Où nous allons tout donner. Que vamos dar todo. Où nous allons tout donner. Que vamos dar todo. Où nous allons avoir vraiment de la compassion. Que vamos tener verdaderamente la compasión. Nous ne voulons pas juste être des pharisiens. Nous queremos ser solo fariseos. Nous ne voulons pas être juste des diseurs de la parole de Dieu ou des diseurs de la loi. Nous queremos solo ser personas que dicen solo la palabra de Dios o solo la ley. Nous voulons avoir l'esprit de Christ. Queremos tener el espíritu de Cristo. Nous ne voulons pas être des sépulcres blanchis à l'extérieur. Nous queremos ser sépulcres blancos al exterior. Nous voulons vivre ce que nous prêchons. Queremos vivir lo que predicimos. Nous voulons être le vrai peuple de Dieu. Queremos ser el verdadero pueblo de Dios. Ce n'est pas assez juste d'avoir la vérité. No es más justo de tener la verdad. Ce n'est pas assez juste d'avoir la bonne doctrine. No es más justo de tener la buena doctrina. Ça ne suffit pas juste de connaître l'unicité. No que pas solo saber la unicidad. Ça ne suffit pas juste de mener une vie de sanctification. No que pas llevar una vida de santificación. Nous ne voulons pas être juste le sel de la terre. No queremos ser solo la sal de la tierra. Nous voulons avoir de la compassion pour ce monde. Queremos tener la compasión para ese mundo. Si nous prêchons cet évangile avec compassion, si predicimos ese evangelio con compasión, el mundo va a recibir. Si nous prêchons cet évangile avec larmes à nos yeux, si predicimos ese evangelio como Dios quiere, le monde va le recevoir. El mundo va a recibir. Nous sommes le sel de la terre. Estamos la sal de la tierra. Nous ne voulons pas juste être sel. No queremos ser solo la sal. La Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur. La Biblia nos dice que tenemos un sacrificador qui n'est pas étranger à nos infirmités. Que no está extranjero en nuestra intimidad. Il a été là où nous étions. Ella ha sido donde estábamos. Il a vécu là où nous avions. Ella ha vivido donde hemos vivido. Ce qu'il a souffert. Lo que ella ha sufrido. Ou plutôt ce que nous avons souffert. Lo que hemos sufrido. Il l'a expérimenté. Ella le experimentó. Ainsi, il a une compassion de nous. Así, él ha tenido compasión de nosotros. Écoutez, nous ne pouvons pas être tellement sauvés. Escucha, no podemos ser más salvos. Que nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Que olvidamos donde Dios nos tiró. Nous ne pouvons pas être tellement sanctifiés. No podemos ser más santificados. Que nous commençons à oublier de là où Dieu nous a tirés. Que comenzamos a olvidar donde Dios nos llevó. Ce peuple a besoin de nous. Ese pueblo nos necesita. Cette ville a besoin de toi. Esa ciudad te necesita. Cette ville a besoin de toi. Esa ciudad te necesita. Et laisse-moi te dire. Déjame te decir. Ça leur est égal ce que tu sais. Importa poco lo que usted sabe. Si ils ne savent pas ce que tu te soucies. Si ellos no saben lo que usted dice. Si ils ne savent pas que tu te préoccupes d'eux. Si vous ne savez pas si vous êtes préoccupé d'eux. Ça ne préoccupera pas ce que tu sais. Ne va les préoccuper lo que vous savez. Nous pouvons être enflés de connaissances. Podemos tener más conocimiento. Mais si nous n'avons pas de compassion, si no tenemos la compasión, nous serons juste une mère
morte. Vamos ser una mère morte. Nous serons tout simplement une mère morte. Vamos ser una mère morte. Peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où nous devenons compassionnés. Pueblo de Dios, queremos llegar a un lugar que tenemos la compasión. Nous devons nous défaire de l'égoïsme. Vamos quitar l'égoïsme. Nous devons nous défaire de l'égocentrisme. Vamos dejar el egocentrismo. Nous ne sommes pas le centre de la terre. No somos el centro de la tierra. Tout ne doit pas tourner autour de nous. Todo no va a girar entre nosotros. Il y a un peuple à sauver. Tiene un pueblo a salvar. Il y a quelqu'un qui doit encore entendre l'évangile. Hay alguien que tiene que escuchar el evangelio. Il y a quelqu'un qui doit encore échapper aux flammes de l'enfer. Il y a encore un drogué qui doit être délivré. Tiene la persona que toma la droga y tiene que ser que tiene que salir ahí. Il y a encore un alcoolique qui doit être délivré de l'alcoolisme. Tiene la persona que bebe algo y tiene que salir ahí. Il y a encore une famille brisée qui a besoin de se défaire de la dépression. Una familia cortada que tiene que salir de la depresión. C'est la seule raison pourquoi nous sommes là. Es la única razón por la cual tu n'es pas sur la terre pour toi-même. Si c'était pour toi-même, il allait t'enlever. Il te garde sur cette terre pour que tu puisses toucher quelqu'un d'autre. Avec la même compassion qu'il t'a touché. N'endurcis pas ton cœur. Tu n'es pas là par accident aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là aujourd'hui. Una mala cosa que usted está aquí hoy. El Señor veut attendrir ton cœur. El Señor quiere tener tu corazón. L'Éternel veut restaurer cette compassion. Él quiere restaurar esa compasión. Qu'il a placé en toi. Qu'il a puesto en ti. Le jour qu'il a lavé tes péchés. El día que él ha lavado tus pecados. Tu te rappelles de ce jour-là. Você se lembra daquele dia? Où il t'a rempli de son esprit. Qu'il te llenó de su espíritu. De ce jour-là. Ese día. Où il t'a rempli de ton esprit. Qu'il te llenó de son esprit. De su espíritu. Tu pouvais aimer n'importe qui. Você podia amar qualquer pessoa. Tu pouvais pardonner n'importe qui. Você podia perdonar qualquer pessoa. Tu pouvais embrasser n'importe qui. Você podia ser com qualquer pessoa. Mais là, tu commences à trier. Agora você começa a mesclar. Tu commences à choisir. Você começa a escolher. Tu commences à regarder, à sélectionner. Você começa a mirar, a selecionar. Non. Renouvelle notre compassion. Você tem que renovar sua compassão. Renouvelle notre compassion. Renouvelle notre compassion, Seigneur. Renouvelle notre compassion. Renouvelle notre compassion, Seigneur. La moisson est grande. Pour que la moisson est grande. La moisson est grande. La personne est grande. Les ouvriers sont très peu nombreux. Los obreros son pocos. Si tu vas entrer dans ce que Dieu t'appelle à entrer. Si você vai entrar em lo que Deus te manda de entrar, tu vas avoir de la compassion. Você vai ter a compaixão. Tu vas vivre ce que Dieu t'appelle à vivre. Si você vai viver o que Deus te chama a viver. Si tu vas expérimenter la grandeur de l'appel et de la puissance de Dieu. Si você vai experimentar a grandeur e la chamada de Deus, tu vas avoir besoin de la compassion. Você vai necessitar a compaixão. Tu vas avoir besoin de la compassion. Você vai necessitar a compaixão. Que Dieu nous donne sa compassion. Que Deus nos dá sua compaixão. Que Dieu nous donne de nous préoccuper les uns pour les autres. Dios nos da de nos preocupar los unos de los otros. Que Dieu nous donne d'être à mesure de pardonner. Que Dios nos da que podemos perdonar. Et juste d'aimer comme il a aimé. Y siempre amar como él amó. Je n'ai pas mérité cette grâce. Yo no he tenido esa gracia. Je ne peux pas m'attendre que les autres la méritent. Yo no quiero que la otra persona le merece. Je n'ai pas mérité cette miséricorde. Yo no he merecido esa misericordia. Je ne peux pas exiger que ceux qui viennent après moi la méritent. Yo no puedo exigir a la gente que viene conmigo que lo necesita. Gratuitement. Hemos recibido gratuitamente. Que nous donnons aussi gratuitement. Vamos dar también gratuitamente. Nous avons été pardonnés sans condition. Hemos sido perdonados sin condición. Que nous pardonnons aussi sans condition. Que perdonamos también sin condición. Nous avons été aimés sans condition. Hemos sido amados sin condición. Que nous puissions aimer aussi sans condition. Que podemos también amar sin condición. Ce grand réveil dont nous rêvons tous. Ese grande acuerdo que soñamos todos. Il est là à portée de main. Está delante de nosotros. Et ça va prendre la compassion. Il va tener la compassion. Ça va prendre la compassion. La compassion va tener lugar. Pour que nous puissions la vivre. Para que podamos la vivir. Je ne sais pas pour vous. Yo no sé para vosotros.
Je veux voir ce grand réveil. Yo quiero ver ese gran acuerdo. Je ne sais pas pour vous. Yo no sé para vosotros. Je veux voir cette autre dimension de la gloire de Dieu. Yo quiero ver esa otra dimensión de la gloria de Dios. Je ne sais pas pour vous. Yo no sé para vosotros. Je veux expérimenter la puissance. Yo quiero experimentar la potencia de Dios. Mais sans compassion. Pero sin compasión. Nous ne pouvons rien vivre. No podemos vivir nada. Sans compassion. Sin compasión. Nous n'allons rien voir. No vamos ver nada. Vous savez, le seul message que ce monde a besoin. El único mensaje que ese mundo necesita. C'est le message de l'Évangile. Es el mensaje del Evangelio. Et c'est l'Évangile qui sauve le monde. Es el Evangelio que salva el mundo. C'est l'Évangile qui nous met sur le chemin vers le ciel. Es el Evangelio que nos ponga en el camino del cielo. Et l'Évangile n'est pas compliqué. L'Évangile est complicado. L'Évangile est simple. L'Évangile est simple. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 1. Versículo 1. Si on peut nous le mettre juste à l'écran. Si podemos ponerlo. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Alléluia. Maintenant, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que je vous ai annoncé. Evangelio que os he predicado, que vous avez reçu, el cual también recibisteis, et dans lequel vous avez persévéré, en el cual también perseveráis. Alléluia. L'évangile doit être annoncé. El evangelio tiene que ser declarado. Il doit être reçu. Tiene que ser recibido. Et l'évangile, on doit y persévérer. Tenemos que perseverar. Et il dit au deuxième verset. Elle dit c'est le versículo 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Pour le quoi à si mismo étant salvo. Par lequel vous êtes sauvés. Pour le quoi aussi étant salvo. Nous sommes sauvés par l'évangile. Estamos salvos por evangelio. Nous sommes sauvés par l'évangile. Estamos salvos por evangelio. Et nous devons le retenir. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Sinon, creéis en vano. La croyance à elle seule ne sauve pas. La creencia solo ne salva. Seule la croyance qui produit l'action sauve. Solo la creencia que produce a la acción salva. Parce qu'il dit que tu peux croire en vain. Dice, vous pouvez creer en vain. Le monde aujourd'hui nous dit crois seulement et tu seras sauvé. El mundo hoy nos dice solo cree y usted va a ser salvo. Je crois. Yo creo, et puis pouf, je suis sauvé. Y así es todo salvo. Ça ne marche pas comme ça. No funciona así. La Bible nous dit que tu peux croire en vain. La Bible nous dit que vous pouvez créer en vano. Et le verset 3 nous explicite l'évangile. El versículo 3 nous dit. Et je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Porque primeramente os he enseñado lo que al mismo recibí, que Cristo fue muerto por nosotros pecados conforme a las Escrituras. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. El evangelio es que Cristo ha muerto para nosotros según las Escrituras. Au verset 4, il continue en disant, je vous ai enseigné, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Il est mort. Él fue muerto. Il a été enseveli. Ha sido sepultado. Et il a été ressuscité le troisième jour. Y resucitó el tercer día. C'est là l'Évangile. Es así el Evangelio. Christ est mort parce qu'il t'aime. Christ ha sido muerto porque él te ama. Christ a été enseveli parce qu'il t'aime. Christ ha sido sepultado porque él te ama. Christ est ressuscité parce qu'il t'aime. Christ resucitó porque él te ama. Cristo resucitó porque él te ama. Parce qu'il a eu compassion de toi. Él tuvo compasión de ti. Et aujourd'hui, il est là pour te délivrer. Y hoy él está aquí para te salvar. Aujourd'hui, il est là pour étendre sa main vers toi. Hoy él está aquí para que usted asegure su mano. Si tu peux juste crier son nom, si usted puede gritar su nombre, il va venir à ton secours. Él va a venir para te secourir. Et il va t'affranchir de toutes sortes d'oppressions. Él va et toda la opresión con él.
Il peut t'affranchir de toutes sortes d'oppressions. Il te libérera de toutes les oppressions. Il est mort pour toi. Il a sido muerto para ti. Il a été enseveli pour toi. Ha sido sepultado para ti. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité para ti. Et comment est-ce que j'obéis à cet évangile? Y como que yo obedezco a ese evangelio? J'obéis en mourant pour lui. Yo obedezco muriendo para él. En étant enseveli pour lui. Siendo sepultado para él. Et en ressuscitant pour lui. Y resucitando para él. J'avais peur que l'église se vide quand je dis cela. Yo tenía miedo que la iglesia sea vacía cuando yo dije eso. On ne va tuer personne. No vamos a matar nadie. Quand Christ dit pour lui. Cuando Cristo dice que usted muere para él. Cela veut dire la repentance. Significa el arrepentimiento. Tu dois te repentir de tes péchés. Usted tiene que se arrepentir de sus pecados. Tu dois te repentir de tes péchés. Usted tiene que se arrepentir de sus pecados. Notre repentance c'est notre mort en nous-mêmes. Notre arrepentimiento es nuestra muerte a nosotros. Et la repentance, c'est-à-dire à mourir dans notre volonté. L'arrepentiment est d'ici mourir en notre volonté. Et nous devons mourir dans notre volonté. Tenemos que mourir en notre volonté. Pour que la volonté de Christ puisse vivre en nous. Para que la voluntad de Dios puede vivir en nosotros. Dieu ne nous demande pas de mourir physiquement. Dieu nous demande de mourir physiquement. Mais il nous demande de mourir dans nos pensées. Elle nous dit de mourir dans nos pensamientos. Afin que sa pensée puisse vivre en nous. Para que su pensamiento puede vivir en nosotros. La repentance est une reconnaissance de nos péchés. L'arrepentimiento es saber que estamos pecados. La repentance est une reconnaissance de notre mauvaise direction. La repentance es que sabemos que tenemos una mala dirección. Elle implique un sentiment de regret. Necesita un sentimiento que estamos pecados. Mais elle demande aussi une décision. Pero él pide también una decisión. C'est-à-dire un demi-tour. C'est-à-dire ir detrás. Je marchais dans une direction. Yo caminaba en una dirección. Je vais aller dans une autre direction. Voy en una otra dirección. Alléluia. Pouvons-nous juste pour un moment prier? Est-ce qu'on peut juste pour un moment élever nos voix vers le Seigneur? Podemos un momento orar. Ora va puta Nous marchons dans la direction du monde. Estamos caminando a la dirección del mundo. Nous voulons commencer à marcher dans la direction de Dieu. Queremos comenzar a caminar en la dirección de Dios. Après que nous soyons repentis. Después que seamos arrepentidos. Dieu nous appelle à être ensevelis. Dios dice que tenemos que ser sepultados. Ce n'est pas un enterrement sous terre. No es una sepultación en la tierra. Mais notre baptême dans les eaux. Pero nuestro bautismo en la agua. C'est notre ensevelissement. Es nuestra sepultación. Et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Y el bautismo tiene que ser hecho en el nombre de Jesucristo. Pour le pardon de nos péchés. Para el perdón de nuestros pecados. Il a été enseveli pour nous. Él ha sido sepultado para nosotros. Nous sommes ensevelis en son nom. Estamos sepultados en su nombre. Ça fait partie intégrale de notre salut. Elle fait
partie de notre salvation. Le baptême est pour le pardon de nos péchés. El bautismo es para el perdón de nuestros pecados. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, si você não está todavía bautizado en el nombre de Jesucristo, você pode ser hoy. Rien ne t'empêche à revêtir le nom de Jésus. Nadie te impide de llevar el nombre de Jesucristo en las aguas. Nous avons l'eau. Tenemos aguas. Nous l'avons même chauffé. Está caliente. Nous avons des vêtements de rechange. Tenemos camisa para mudar. Des essuie-mains, des séchoirs. Cosa para limpiar los manos. Ça ne prend que ton obéissance. Nos necesita tu obediencia. Alléluia. Il a été enseveli pour nous. Ha sido sepultado para nosotros. Il doit être enseveli pour lui. Tenemos que ser sepultado para él. Alléluia. Et cela seulement en son nom. Es eso solo en su nombre. Dis le pasteur, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Você va me dire, pasteur, yo he sido baptizado en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. C'est bon et j'aime cette sincérité. Es bueno, me gusta esa sinceridad. Mais la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Pero la sinceridad no garantía la verdad. Et la vérité, c'est que tu dois être baptisé au nom de Jésus. Y la verdad es que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Et après le baptême ou l'ensevelissement. Oh, después del bautismo o de la sepultación. L'évangile, c'est la résurrection. El evangelio es la resurrección. Tout à l'heure, nous allons avancer à cet autel. D'aquí a poco vamos a ir en ese hotel. Et si tu as soif dans ton cœur de le recevoir. Si usted tiene sed en tu corazón de le recibir. Et que tu viennes en cet hôtel. Et que vous venez ici au hôtel. Nous allons prier avec toi. Vamos orar contigo. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Y el Señor va te llenar de Espíritu Santo. Et tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et você va hablar en otras lenguas como el Espíritu te da de hablar. Vous savez, c'est la maman du frère Sylvain. Você sabe, é a mãe de irmão Sylvain. Une semaine, elle est venue ici. Hace uma semana, ela veio aqui. Elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Elle a sido baptisée en el nombre de Jésus-Christ pour le pardon de ses pecados. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et Dieu lui est donné l'Esprit Saint hablado en lengua. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Et Dieu peut le faire también hoy. Parce que ce temps est encore valide pour nous. Porque ese tiempo está válido para nosotros. Nous sommes encore cette église. Estamos siempre esta iglesia. Alléluia, plein de compassion. Lleno de compasión. Qui veut nous mettre sur le chemin du ciel. Que queremos nos poner en el camino del cielo. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloria a Jesús Cristo. Gloire au nom de Jésus. Gloria a Jesús. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloria a Jesús. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Estamos llamados a predicar el evangelio. Mais si nous couplons notre évangile avec la compassion, si juntamos nuestro evangelio con la compasión, notre évangile va être efficace. Nuestro evangelio va ser eficaz. Je vais juste raconter une autre histoire qui est arrivée à une dame qui vient à l'église ici. Solo vou contar uma outra história que tuvo lugar uma senhora que vem aqui na igreja. Plein de compassion. Elle a tenu muchas compasión. Un jour, elle devait aller à l'immigration pour sa situation d'immigration. Un día ella tenía que ir a la inmigración para su situación de inmigración. Elle était au 10-10 Saint-Antoine. Ella estaba a la 10-10 Saint-Antoine. Et non au 87-29. Y no al 87-29 au Chiraga. Vous savez, qui connaît le 10-10 Saint-Antoine? Qui connaît ce 10-10 Saint-Antoine ici? C'est presque nous tous qui sommes immigrants connaissons le 10-10 Saint-Antoine. Cada uno que estamos immigrantes conocemos ce lugar. C'est un bâtiment que tu crains des fois. Es un lugar que vous êtes mal de vez en quando. Et des fois, tu. Bon, quand tes papiers sont complétés, tu commences à aimer ce bâtiment. De vez en quando, quand tu papiers están bien, você começa a amar ese lugar. Mais avant, tu crains ce bâtiment. Mais antes, você tema desse elle lugar. Elle était au 10-10 Saint-Antoine. Elle estava à 10-10 Saint-Antoine. Elle a commencé à parler à une dame espagnole. Ela começou a hablar con una señora española. Elle n'a pas dit grand chose. Ela não disse grandes coisas. Il y avait beaucoup de compassion. Pero tenía muchas compasión en ella. Elle a tout simplement dit le Seigneur t'aime. Ela solo ha dicho el Señor te ama. Jésus t'aime. Jesús Cristo te ama. Et cette dame a commencé à pleurer. Esa señora ha comenzado a llorar. Juste. Moi j'ai dit à plusieurs personnes Jésus t'aime. Yo digo a muchas personas Jesús Cristo te ama. Souvent ils se fâchent contre moi. De veces cuando él está mal conmigo. Peut-être. Je n'ai pas assez de compassion. Tal vez yo no tengo más muchas compasión. Ce jour-là, elle a commencé à pleurer.
Pero ese día ella comenzó a llorar. Solo diciendo, Jesús Cristo te ama. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Déjame te dire hoy. Jesús t'aime. Jesús Cristo te ama. Jesús Cristo te ama. Il est allé à la croix pour toi. Elle fue a la cruz para ti. Et pour nous qui sommes déjà passés par ce chemin. Y para nosotros que hemos pasado por ese camino. Laissez-moi vous dire, nous avons besoin de compassion. Déjame decir que necesitamos la compasión. En 2017. En 2017. Nous voulons prier comme Moïse. Si queremos orar como Moïse. Seigneur, si tu ne les sauves pas. Señor, si você não nos salva. Ne me sauve pas non plus. Ne me salva tampoco. Seigneur, si tu ne leur donnes pas. Señor, si você não nos dá. Ne me donne pas non plus. Non me dá tampoco. Seigneur, si tu ne les délivres pas. Señor, si você não les salva de aí. Ne me délivre pas non plus. Ne me sai de também desse lugar. Parce que je veux voir ta gloire. Porque eu quero ver tua glória. Je veux être à ton image. Eu quero ser a tua imagem. Je ne veux pas juste être un sepulcre blanc. Eu não quero ser sepulcro blanco. Je ne veux pas juste être une génération de vipères. Eu não quero ser uma geração de vipères. Je veux connaître ce que tu as connu. Eu quero conhecer o que você a conhecido. Je veux exprimer ce que tu as exprimé. Eu quero exprimir o que você a exprimido. Je veux avoir l'esprit de Christ. Quero ter l'esprit de Cristo. Je veux avoir l'esprit de Christ. Quero ter l'esprit de Cristo. Est-ce que vous voulez avoir l'esprit de Christ? E se você quer ter l'esprit de Cristo, pode avançar. Si vous voulez avoir l'esprit de Christ, voulez-vous vous lever? Se você quer ter l'esprit de Cristo, pode levantar. Si vous voulez avoir cette compassion divine. Se você quer ter essa compaixão divina, pouvez-vous venir à l'avance? Pode venir delante. En ce début d'année, Seigneur, en ce principe de l'année, Seigneur, nous venons pour renouveler, Seigneur, queremos para renovar, Seigneur, notre cœur dans ta présence, nosso coração, Seigneur. Pas, nous ne voulons pas tomber dans la routine. Nous queremos cair en las cosas de todos los días. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, être satisfait de ce qui a été fait l'année passée. No queremos ser satisfechos de lo que ha sido hecho el año pasado. Papa, mets en nous un esprit nouveau, Seigneur. Pon en nosotros un nuevo espíritu, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, une nouvelle et fraîche compassion. Pon en nous una nueva fresca compasión, Señor. Papa, ne nous laisse pas tranquille, Papa, à la vue de tout ce monde qui ne te connaisse pas, Señor. No te deja tranquilo a la vista de todo ese mundo que no te conoce, Señor. Señor, Jesús, aide-nous. Jesucristo, ayúdanos. A être de plus en plus comme toi. A ser más y más, Señor. A te ressembler davantage. A ser como ti, Señor. A agir, Papa, selon ton cœur. A actuar según tu corazón. Pas sans égard, Seigneur, de ce que nous aurions reçu. Sans lo que hemos recibido, Señor. Sans égard de ce que nous aurions subi. Sans lo que hemos recibido, Señor. Car nous voulons expérimenter ta gloire. Queremos experimentar tu gloria, Señor. Père, nous sommes conscients du fait que tu reviens bientôt. Estamos conscientes que você vai venir daqui a pouco. Ton retour est proche et imminent, Seigneur. Tu vuelta es cerca, Señor. Et nous prions que tu nous aides maintenant. Oramos que vos ayude ahora, Señor. A rentabiliser le temps qui nous reste. A tener conciencia del tiempo que nos falta. Papa, aide-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor. A ne pas être oisif. A no ser ocioso. Et à rendre ce temps, Seigneur, profitable. Permitir que ce temps sea aprovechamos de ce temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, si podemos levantar nossa voz. Alléluia. Pouvons-nous lui parler, lui ouvrir nos cœurs. Si podemos abrir nosso coração. Père, peut-être que cette année passée, nous avons été distraits.
Seigneur, ta presqu'est. Et alors, passant de nous, c'est distraído. Père, mais nous voulons en ce moment, Seigneur, restaurer notre marche. Enfin, nous avons été induits à côté, Seigneur. Mais papa, en cette année 2017, Seigneur, en este año 2017, nous voulons repartir à neuf. Queremos ir de nuevo, Seigneur. Papa, nous voulons partir à nouveau. Queremos ir de nuevo, Seigneur. Pardonne nos péchés si tu peux, Seigneur. Perdona nuestros pecados si tú puedes, Señor. Pardonne-nous aujourd'hui. Perdona-nos, Señor, hoy. Mais restaure-nous, papa. Pero restaura-nos, Señor. Restaure-nous, Seigneur. Restaura nosotros, Señor. Nous voulons voir ta face. Queremos ver tu cara, Señor. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.